David Bouchard, ici à Victoria. Ce message, c'est pour les parents. Parents, je suis un père, j'ai deux fils et une petite fille. Si quelqu'un m'avait dit ce que j'aimerais vous dire, ma vie a été beaucoup plus riche, mais j'ai pas su. Il a fallu que j'apprenne, moi, en vivant. Et je suis capable aujourd'hui, à l'âge de 68 ans, de vous dire que lire, c'est un cadeau extraordinaire, non seulement parce que ça ouvre des portes à l'imagination, ça me permet, moi, de voyager n'importe où, mais en plus, ça permet à nos élèves de réussir dans l'école. Hey, les parents, si nos élèves ne lisent pas, ils vont pas réussir. Les écoles sont créées pour des enfants qui lisent. C'est vrai. Wayne Gretzky, Shania Twain, ces jeunes-là, ils n'étaient pas lecteurs, l'école n'était pas pour eux. Ça leur a dû être pour eux, mais ça prend seulement trois choses pour devenir lecteur. Sincèrement, n'importe qui peut lire, mais nous, comme parents, si on savait, donc je suis pour vous dire que ça prend le temps. Les enfants vont lire lorsqu'ils seront prêts. Ma petite-fille, elle a marché lorsqu'elle avait 16 mois et j'ai su qu'elle allait être lent comme lecteur. Ça prend un héros. Personne ne me l'a dit, autrement je l'aurais fait. Personne ne m'a dit que j'aurais dû être le héros de mes deux fils qui ne lisent pas parce que je l'aurais fait. Et troisième chose que ça prend, c'est des livres qui sont non seulement accessibles, mais qui nous invitent, des livres dans lesquels on puisse se voir, se reconnaître. Donc, je suis là pour vous guider sur la route de lecture, pour vous aider à comprendre comment c'est important et ce qu'on peut faire, nous, comme parents, pour aider nos enfants à devenir lecteurs et à réussir non seulement dans l'école, mais dans la vie. Alors, David Bouchard ici à Victoria.